Ford présente enfin la troisième génération de Focus. L'arrivée d'un nouvel opus au sein de la gamme Ford crée toujours l'événement, surtout quand il s'agit de l'une des compacts les plus vendues. Cette nouvelle Focus est très loin de bouleverser le style de l'ancienne. Les plus gros changements stylistiques pour la face avant concernent les blocs optiques intégrant désormais des feux de jour à LED ou encore les entrées d'air plus proéminentes, façon C-Max. La partie arrière, quant à elle, reçoit des feux beaucoup plus imposants et moins harmonieux que sur la version précédente. Pour un premier essai, nous avons droit à un 1 litre 6T DCI de 115 chevaux. Malgré sa disponibilité dans les bas régimes, le bloc s'essouffle rapidement, disons que sa plage d'utilisation reste limitée. Mais les principaux défauts de ce moteur se situent toujours au niveau de la sonorité de ses vibrations. Précisons que ce TDCI est couplé à un système stop and start, afin de réduire la consommation qui atteint en moyenne 4,2 litres au 100 km en cycle mixte. Au volant, on trouve rapidement ses marques, les commandes sont intuitives et la direction offre un bon feeling. Côté comportement, la Focus démontre encore une fois une certaine agilité lors des changements de cap. À bord, la Ford s'inspire grandement du style du nouveau C-Max ou de la Fiesta. On y retrouve donc des formes relativement torsadées, notamment au niveau de la console centrale. Notez que cette dernière a légèrement été rehaussée. En revanche, les boutons de réglage de la climatisation sont vraiment trop petits, tout comme l'écran GPS d'ailleurs. La finition haut de gamme titanium donne droit à la climatisation automatique Bizone, la sellerie cuir, les sièges chauffants ou encore le système de navigation. La Focus conserve une très bonne habitabilité, ce qui ravira les passagers. À l'arrière, 3 personnes pourront profiter du voyage sans aucune difficulté. Malgré une ouverture pas très pratique, le coffre est grand et relativement profond. Enfin, si vous le souhaitez, les dossiers de banquette arrière sont fractionnables et donc inclinables. Pour le moment, 2 niveaux de finition sont disponibles sur la gamme Focus. Cette dernière, équipée du 1 litre 6 TDCI 115 en finition titanium, est affichée à 24 150 €. Les tarifs pour les versions essence débutent à 18 850 €.